Je suis toujours à l'école L'Aquarelle de Saint-Bernard, dans la région de Chaudière-Appalaches, et j'ai donné rendez-vous à trois jeunes qui m'attendent dans le gymnase. Ça fait déjà un petit moment. J'imagine qu'ils doivent être sur leur selle, hein, parce que les jeunes, ben c'est toujours sur leur selle! Les jeunes, toujours sur leur selle... Hey, ça se roule! Hey, je suis pas pire, hein? C'est maintenant au tour des élèves de l'école L'Aquarelle de vous présenter leur version de la danse Force 4. OK, go! Je suis capable! Bouge tes bras, tes hanches, tes jambes, allez! Bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez! Bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez! Bouge à tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez! Une vidéo des pros du cardio. Hey, excuse-moi, je pense que c'est mon manteau. Oui, c'est mon manteau. Excusez-moi, mademoiselle. Excusez-moi. Woo!
Benjamin! Ça va? Ça va toi? Ben oui, ben oui! Prêt pour la partie de basketball? Oh oui! Parfait! Aujourd'hui, au pro du cardio, basketball, ballon panier. Les mini-pros, partie de ballon panier. Pour être fin prêt, on va commencer par un petit échauffement. On va se pratiquer, on va s'activer. Il faut que ça bouge. Alors, premièrement, on va imaginer qu'on a un rack plein de ballons ici et on va prendre un ballon et venir se placer en position de tir. Donc, les genoux légèrement fléchis. Et on va faire un petit saut. Et au bout de notre saut, on va aller fouetter le ballon et on va lancer au panier imaginaire qui se trouve devant vous. OK, j'allais. Vous êtes prêts? On va se faire une petite pratique. Attention, prends ton ballon, prépare-toi, lance. Wouh! Wow! Yeah! Solide! OK. OK, vous êtes prêts? On s'en fait 10 comme ça. C'est parti. 1. Yeah. 2. 3. Yes! Excellent. 4. On saute plus haut. 5. 6. Oh oui! 7. Wouh! 8. Ah non, j'ai raté lui. 9. Oh! Et 10. Wow! Wouh! OK, les mini-pros. Deuxième section de la pratique basketball, ça va être en coopération. Donc, avec un partenaire ou une partenaire, on va aussi rajouter la passe. Je t'explique. Tu vas aller toujours chercher ton ballon sur ton support, mais cette fois-ci, avant de tirer, fais une passe à ton coéquipier ou coéquipière. Cette personne-ci va prendre son tir, on vient juste de voir, et ensuite, à son tour, va chercher un ballon. Je me fais la passe, je réceptionne, tir rapide, je vais rechercher un ballon et ainsi de suite. Êtes-vous prêts? On va aller quand même assez vite pour maintenir un bon quartier. On en fait 10. 10 de suite, attention, c'est parti, je vais commencer avec les ballons. 1, 2, 3, go. Ballon, passe. Tire, excellent. Réception, tire. Yes. 3. Excellent, on lâche pas, ouais. Tire, 4. Passe. 5. Je suis prêt. Oh, la fin. Hey, excellent. Oh. Ouais, des belles passes. Oh. Tire, yeah. Réception. Oh, passe poitrine. Oh, ouais. Encore, je suis prêt. Woo. Oui, on lâche pas, ça va bien. Yeah. Hey. Oh. Oh, non. Oh, non. Fais tomber tous mes ballons. Benjamin, ouais, j'ai une idée. On peut récupérer les ballons qui sont au sol, les lancer, se faire une petite compétition, un petit jeu. J'ai 10 ballons, t'en as 10. Le premier qui lance, c'est 10 ballons. Donc, on va plier les genoux pour prendre le ballon et on va se mettre en position de lancer. Faire notre lancer et aller chercher un autre ballon qui est situé à un endroit différent que le premier, évidemment. Vous êtes prêts? OK. On va faire une petite compétition en partenaire de la classe. Absolument. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier, 10. Oh, quel travail! OK, les mini-pros. Quatrième partie de l'entraînement de basketball, le tir arrière. Alors, je t'explique. On prend nos paniers imaginaires de l'avant de la classe et on les envoie derrière la classe. Tu maintiens ta position, les jambes un peu écartées. Tu vas aller chercher ton ballon cette fois-ci à deux mains au sol. Tu vas fléchir un peu les genoux. Tu vas l'envoyer au-dessus de ta tête pour viser ton panier imaginaire à l'arrière. Tu peux faire une petite impulsion, un petit saut. Ça peut t'aider à aller chercher plus de distance dans ton tour. Est-ce qu'on est prêt? Je suis prêt. On va en faire 10 de suite et c'est parti. Un tir. Oui. Deux tirs. Ouais, on fléchit bien les jambes. Trois tirs. Très bien. Quatre. Cinq. Six. Ouais. Sept. Excellent, lâche pas. Huit. C'est presque fini. Neuf. Ça va bien. Et 10. Ouais! Yeah! Alors, les pros du basket, un dernier petit jeu pour terminer cette capsule. On va s'imaginer qu'on a toujours deux paniers, donc un à l'avant, un à l'arrière de la classe, et vous allez inventer un lancer. Donc, par exemple, je pourrais prendre mon ballon et venir lancer derrière mon dos au panier en avant. OK, OK. Utilisez votre imagination. 5 lancers. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. 3, 2, 1. C'est parti. Hey. Oh,
Troisième, excellent. Quatrième. Hey! Un dernier, allez! Hey! Bon travail! Wow! Alors, on se revoit dans une prochaine capsule des pros du cardio. Bonjour et bienvenue au défi du directeur. J'imagine que c'est vous le directeur? Alors, on va commencer en faisant 30 secondes de jumping jack. C'est parti! Oh, c'est peut-être qu'un petit peu petit, hein? On va changer de lieu! Oh, pourquoi ça m'arrive toujours à moi, ça? On va commencer avec le premier exercice. On va faire des sauts en alternant les bras et les jambes. Alors, comme vous pouvez voir, il met ses jambes en avant, en arrière, en les alternant, et il garde ses bras en crochet de haut en bas à chaque fois. Il est vraiment bon pour un homme de 102 ans. Moins de 10 secondes. Et c'est terminé! Yeah! Maintenant, je vais exaucer un petit vœu avec le livre ici. Je fais le vœu de voir le directeur faire le singe. Voulez-vous faire le directeur, s'il vous plaît, monsieur le singe? Et c'est parti! On peut voir dans la jungle un petit singe lever les jambes et les bras très haut en gardant le dos droit. C'est fascinant! On n'a plus les capucins qu'on avait, hein? Ça commence à sentir la jungle! 3, 2, 1, c'est terminé! Et maintenant, vous allez faire des coups de pied alternés. C'est parti! C'est très important de faire attention aux caméramans, hein? Mais qui êtes-vous? On termine avec les coups de pied alternés! Il est vraiment très bon, hein? S'il continue comme ça, je pense qu'il va perdre une coupe de livres! Il va pas prendre de volume! Allez, c'est terminé! C'est le temps du retour au calme. On va aller doucement au sol. Et on va étendre nos jambes en avant. On prend une grande inspiration. Et on expire. C'est très important de toujours garder le dos droit. On va ramener nos jambes tranquillement comme ceci. On colle nos pieds et on prend une grande inspiration. Et on expire. Maintenant, on va pousser un peu sur nos genoux sans trop forcer et on garde la pause. On prend une grande inspiration. Et on expire. On ramène les jambes vers l'avant. On prend une grande inspiration. Et on expire. On ramène les jambes, on colle les pieds. On prend une grande inspiration. Et on expire. Une dernière fois, on met les jambes devant. Inspiration. Expiration. Ramène les jambes, colle les pieds. Inspiration. Expiration. Et on ramène les jambes pour une dernière fois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très très bientôt! Force 4! Elle est tellement bas. Tiens, je te donne ma casquette. Ça grandit tellement vite.